Les heures d'enfer que j'ai passées sur des pistes de danse, juste pour faire plaisir à des femmes. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Ah! Le chômage chez les jeunes, quel emploi! Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Oh. Sylvie, quoi? Nathalie, oh. Julie, oh. Sophie, non mais tu sais, faut vraiment avoir envie de se mettre. An award-winning screenwriter and director, Denys Arcand has been leaving indelible marks on the Canadian cultural landscape for more than 60 years. After having devoted himself to documentaries for about 10 years, the filmmaker released his first feature film, La Maudite Galette, in 1972. He would direct many more throughout his career, bringing him great renown. Rémi Girard is a ubiquitous actor in Arcand's films and has worked with him for nearly 40 years. C'est toujours un cadeau, comme on dit quand pour moi là, tourner dans ces films. Quand on travaille dans le plaisir de faire du cinéma. Personne n'est stressé. Puis Denis dit souvent, un bon réalisateur, c'est celui qui engage les bonnes personnes et qui essaie de pas trop leur nuire. Et c'est très vrai. Il te laisse aller. J'ai peur. On fait ce que tu veux. C'est toi qui décides. C'est ce que je te souhaite. De voir un fils aussi bien que toi. Quand je pense à Denys Arcand, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « maître », dans le sens de maîtrise, mais aussi dans le sens pédagogique du terme. Denys a toujours une capacité extraordinaire à mettre notre réalité en perspective avec l'histoire. Denys Arcand has left his mark on the public imagination and the film industry. Le déclin de l'Empire américain, Jésus de Montréal, and Les invasions barbares are all works that have shaped the place of Quebec cinema on the international scene today. Ça ouvre la voie, c'est-à-dire que ça montre un exemple que voilà, ça peut arriver. Le succès international, le rayonnement international peut arriver avec un film d'ici, au même titre qu'ailleurs. Denis a donné une dimension internationale à notre cinéma, c'est évident. With over a dozen feature films, Arcand has provided audiences with some of Canada's greatest masterpieces. Jésus, mon bon Jésus, je suis à toi. Je t'appartiens. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Parle-moi, Jésus, mon doux Jésus. Madame, s'il vous plaît, dérangez pas les acteurs. Jésus, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Je vous en prie, contrôlez-vous. Jésus, contrôlez-vous. Parle-moi, Jésus. Bon, voulez-vous bien, vous? Assez, là. Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, je t'aime. T'es toute ma vie. Méchant. Je pense à Denis aussi le premier film qui me vient à l'esprit. Il a fait plusieurs grandes œuvres, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jésus de Montréal, qui demeure, encore à ce jour, un choc émotif et intellectuel. C'est un film qui m'a bouleversé par cette idée incroyable de mettre en relation la religion et le monde des images. Les invasions barbares, which was released 17 years after his highly acclaimed film, Le déclin de l'Empire américain, made history in 2004 by becoming the first Canadian film to win the Academy Award for Best Foreign Language Film. Beyond his awards and honors, Arcand is, above all, a director renowned for his finesse in using film to address contemporary issues in the light of historical events. He offers a mirror of Quebec's evolution and transformation through his work. En tant que cinéaste, c'est un témoin exceptionnel. 5 décennies d'histoire canadienne. 50 ans sur film, de voir comment les gens sont, comment ils évoluent. Et ça avec humour et acuité. With this stamp, Canada Post recognizes one of Canada's most celebrated and respected filmmakers and his contribution to Canadian cinema.